Aujourd'hui. Depuis 33 ans que le président vient au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée c'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président vient au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions aujourd'hui dire que non, comme l'ami Moutamba a dit, il peut trouver une solution à du Cameroun. Aucune idée. La seule idée que donne le Cameroun, c'est que le Cameroun est son marche-pied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biasse fait, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biasse a nourri pour le Cameroun? Et de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biasse n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, monsieur Bachir, je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre les responsabilités civiques avec la lâcheté. Le président Biasse se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser.